Alors, bonsoir à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour le cycle de conférences initié par le Pavillon Blanc à Colomiers, qui s'intitule « Jardiner la ville en commun », dans le questionnement de comment l'art jardine, dessine ou redessine la ville. Alors, je suis ravie d'avoir l'opportunité de vous présenter cette conférence en direct ce soir. Et il me semble important déjà pour commencer de vous stipuler d'ores et déjà la distinction entre ce qui est le street art, ce qu'on appelle plus communément street art, et ce dont je vais vous parler ce soir, donc le graffiti, qu'on peut appeler writing aussi dans l'acceptation américaine de l'origine de cette pratique-ci, dont je vais vous parler ce soir. Donc naturellement, l'anglicisme street art désigne littéralement l'art urbain. Cependant, il existe des différences très importantes qui le distinguent du graffiti. Par exemple, le graffiti, c'est vandal, c'est une pratique illégale qui se retrouve être très souvent du lettrage, mais pas uniquement. Il s'inscrit dans une idée de père qui parle à leur père, dans un langage qui est commun à tous. Les réalisations des artistes sont les plus personnelles et les plus stylisées possibles, au travers de styles qui peuvent même parfois empêcher la lecture des lettres qui composent la pièce par les novices. Elles sont alors compréhensibles que par les graffeurs eux-mêmes et les personnes qui peuvent graviter aussi autour de cette pratique. On peut aussi ajouter l'idée que le graffiti s'auto-alimente stylistiquement, ce sont les acteurs qui en font les règles, même si elle empruntait à ses débuts des éléments de la culture populaire, des graphismes, des images de dessins animés ou de choses un petit peu plus diffusées à grande échelle. Globalement, son développement se fait de manière plus underground, un peu plus officieuse et informelle. Le graffiti n'a aucun but ni marchand ni commercial. Il est simplement déposé, offert à la rue, utilisé comme un outil de réappropriation de masse du territoire urbain. Il y a l'idée du coup d'une pratique anarchique et libertaire, une forme d'expression autonome de masse. L'idée d'un non-message, puisque les lettres forment le nom, le pseudonyme de la personne qui l'inscrit, mais qui est fidèle à la thèse de Marshall McLuhan, un célèbre théoricien de la communication, qui a un célèbre adage qui dit « le message, c'est le médium ». A contrario, du coup, le street art est souvent figuratif. Ça veut dire qu'il représente des choses très connues par les masses, le plus immédiatement compréhensible possible. Les références proviennent essentiellement de la culture populaire dominante. Il intervient dans un cadre plus marchand. Il peut s'inscrire et globalement, majoritairement inscrit dans un système institutionnel et marchand de commandes ou d'achat-vente d'objets dérivés. Les pièces sont généralement esthétiques, à contrario du graffiti. Elles sont lisibles et compréhensibles par le plus grand nombre, c'est le but principal. Et les outils aussi sont différents de ceux utilisés par les acteurs du graffiti. Ça peut être des pochoirs, de la faïence, des affiches, des stickers, du ruban adhésif, parfois même de la laine autour des arbres, des chéneaux ou du mobilier urbain. À titre indicatif, pour vous montrer un petit peu à quel point le graffiti peut être, le street art pardon, peut être bankable. Alors c'est un cas un petit peu unique, hein, ça ne couvre pas l'extrême majorité du street art, mais l'artiste Banksy, qui est très connu, qui est représenté par les plus grandes maisons de vente, connaît actuellement un record de vente de 9,9 millions de livres sterling, ce qui équivaut à peu près 11 millions et demi d'euros. Donc ça vous laisse un petit peu imaginer, sous des abords un petit peu contestataires, à quel point finalement ça laisse méditer. Donc ici, c'est uniquement vraiment de graffiti vandal, ce qu'on peut qualifier, comme je vous l'ai dit, de graffiti writing qui fera l'objet de notre intérêt, pardon. Donc, étymologiquement parlant, le mot graffiti est un dérivé du grec ancien, graphein, qui désigne le verbe écrire. La pratique contemporaine que cette terminologie recouvre est constituée de mots, de pseudonymes appelés tags, qui veut dire signature en anglais, ou de fresques peintes, représentées sur des surfaces planes se trouvant dans l'espace public. Alors, ça peut être des murs, des bus, des métros. Ce phénomène serait apparu simultanément dans deux villes de la côte est américaine, New York et Philadelphie, à la fin des années 1960. Alors, il est bien entendu impossible de savoir qui a effectué le premier graffiti, c'est un petit peu l'œuf ou la poule, mais la légende raconte qu'un jeune homme habitué des maisons de redressement pour mineurs, Daryl McRae, souffrant d'une timidité maladive,
Amoureux d'une jeune fille de son âge, Cynthia lui aurait déclaré son amour en peignant inlassablement sur tous les murs de son quartier « Cambred loves Cynthia ». Vous pouvez cliquer si certains ont lu la description dans la vidéo. Vous avez en description des liens numérotés. Et donc, si vous cliquez sur le lien numéro 1, vous trouverez un célèbre graffiti de Cambred. La légende a également retenu un deuxième personnage très important pour l'histoire de l'origine du graffiti. C'était Démétrius, un jeune coursier grec qui habitait dans la 183e rue à Washington Heights, dans le nord de Manhattan. Et lui, dans toutes ses courses, il était coursier, il laissait une trace de son passage dans toute la ville en signant partout au marqueur « Taki 183 ». 183 en référence à la rue dans laquelle il habitait. Cette pratique a attiré l'attention d'un journaliste qui a enquêté sur lui et qui a réussi à le retrouver. Il a fini par l'interviewer. Et donc le 21 juillet 1971, un article est apparu dans le New York Times faisant de Taki le premier New-Yorkais à devenir célèbre pour ses graffitis. Donc il y a un très grand journaliste et photo-reporter du nom d'Henri Chalfant qui a été l'un des premiers à identifier le graffiti pour l'intérêt artistique qu'il a. A écrit sur cet événement, parce que ça a vraiment marqué le début vraiment de l'expansion du graffiti, d'abord à New York et ensuite partout dans le monde. Henri Chalfant a repéré cet événement comme marquant pour les adolescents, qui ont tous été sans doute impressionnés par l'importance donnée à une personne dont simplement le surnom apparaissait partout dans la ville. Ils ont alors réalisé que la fierté que leur procurait de voir leur propre tag dans leur propre quartier pouvait être décuplée si leur territoire d'action s'élargissait au reste de New York. Alors à partir de là, les vannes se sont ouvertes, la compétition a débuté pour une plus grande gloire. Elle a dépassé toute commune mesure, puisqu'on peut voir que le phénomène s'est exporté progressivement et massivement en dehors des frontières états-uniennes. Et donc, malgré les querelles sur son lieu d'apparition, les banlieues populaires de la ville de New York sont quand même considéré comme le berceau principal duquel se réclament les artistes partout dans le monde ultérieurement et même aujourd'hui. Même si on est quand même conscient qu'il y a une querelle possible. Alors on va commencer par la description un petit peu de la situation du graffiti à New York. Alors d'abord, il est très très important de se rendre compte du contexte économique et social de la ville de New York, qui a connu d'énormes bouleversements entre les années 1950 et le milieu des années 60. En effet, la municipalité a eu la volonté de développer la sphère économique et commerciale de la ville en restructurant des zones les plus attrayantes. Donc, c'était dans les banlieues les moins lointaines, qui étaient quand même largement habitées par des populations défavorisées et racisées, issues de l'immigration. Et donc, ils ont décidé d'y installer une activité commerciale. Alors, les fonds fédéraux ont alors servi à acheter des parcelles et à payer la destruction des bâtiments déjà existants pour ensuite vendre des propriétés nues aux promoteurs immobiliers à des prix défiant toute concurrence. Donc, la conséquence directe de cette action a été le remplacement massif d'immeubles d'habitation à loyer modique occupés par ces classes populaires par des logements ou des immeubles de bureaux à destination des classes moyennes et des élites qualifiées. Et tout ceci a été financé en partie par les caisses publiques, donc ça pose quand même un petit problème politique. Les immeubles détruits n'ont pas été sélectionnés en fonction de leur salubrité, mais davantage en fonction de leur rentabilité potentielle après le réaménagement. Donc la plupart des pires logements de la ville sont restés intacts, en particulier dans les quartiers situés à l'extrême sud de Manhattan. Et l'effet a été, la conséquence directe a été l'édification de logements destinés aux classes aisées, près des principales institutions et services, tout en se dispersant, et reléguant les populations défavorisées loin de ces centres attractifs. Donc la restructuration n'a pas eu du tout le rôle social de redynamiser ces zones excentrées et de redynamiser aussi la situation économique et sociale de leurs habitants initiaux, mais d'élargir le cœur financier de la ville de New York, permettant aux classes hautes de continuer leur ascension vers le rêve américain, tout en reléguant les classes les moins favorisées vers les banlieues lointaines, et déserté de tout pouvoir public, n'ayant plus les fonds de les entretenir. Parce qu'après toutes ces manœuvres financières, la ville de New York a failli faire banqueroute. Donc on voit que le contexte a été fort mouvementé. On est aussi en plein dans le mouvement des droits civiques et des mouvements de contestation dus à la guerre du Vietnam,
Donc, on peut se rendre compte que le contexte sociopolitique de l'apparition du graffiti est assez fort et bouleversé. C'est une période des États-Unis qui a été très troublée. Donc, le graffiti, dans ce contexte-là, apparaît finalement comme un moyen de se réapproprier un environnement pour des jeunes issus des quartiers les moins favorisés, une sorte de manière de marquer un territoire dont ils se sont sentis totalement dépossédés et en rupture. Et donc, à partir de là, chaque journée et chaque nuit, de nouvelles signatures sont apparues. Une fois que les rues, les métros, les trains, les cages d'escalier ont commencé à se remplir et à être saturées de marques, somme toute plutôt uniformes à ce moment-là, la nécessité pour les auteurs a été de trouver une manière de se démarquer les uns des autres. Les jeunes artistes ont donc développé rapidement le style de leurs écritures. J'ai oublié de vous notifier le lien numéro 3 que vous aurez, alors qui est en lien avec la situation urbaine de New York pendant ces années-là. C'est une photographe, vous verrez, vous pouvez aller sur son site qui est magnifique et qui est très bien fourni. Elle s'appelle Martine Barra. Donc vous avez un petit exemple du Bronx à la fin des années 70. Dans le lien numéro 3, vous verrez apparaître en dessous de cette vidéo. Alors, les artistes ont commencé à faire évoluer leur création en jouant d'abord sur leur taille, leur forme et leur couleur. Donc, cette innovation marque le passage du tag, qui se trouve être le mot signature en anglais. Je vous mets une petite... C'est bricolé avec les moyens du bord. Le tag, qui se trouve être signature en anglais, vers le throw-up, qui veut dire « vomir ». Les graffeurs ne sont pas sans humour. Et le throw-up se trouve être une inscription au marqueur ou à la bombe, majoritairement à la bombe, sur un mur. Alors, cette inscription est de taille plus importante et avec des formes beaucoup plus évoluées. Il est tracé rapidement en une ligne ininterrompue. Il est majoritairement en deux couleurs, séparant le contour du remplissage. Ça, c'est très important. Et en lien numéro 4, vous verrez le graffeur Stay High 1949, pardon, qui a été l'un des premiers à développer sa signature en lui ajoutant plusieurs éléments. Alors là, c'est un petit tag un petit peu plus développé. En lien numéro 4, vous verrez un petit personnage juste à côté de l'inscription Stay High 149. Alors, il est dessiné de manière un petit peu schématique. C'est une sorte de bonhomme allumette dont les membres sont représentés par des traits. Alors, la figure est courbée. Vous pourrez voir, ou vous voyez en ce moment même, que flotte au-dessus de sa tête une petite auréole légèrement penchée. Vous pouvez voir la traverse de la lettre H majuscule est formée par un joint, une cigarette de marijuana, et la courbe inférieure de la lettre S est terminée par une flèche. Il tire ce personnage de la série télévisée The Saint, qui passe à la télévision à ce moment-là. L'auréole ainsi que le motif de flèche vont être par la suite récurrents et très très importants dans toute l'imagerie du graffiti new-yorkais. Vous pouvez voir en lien numéro 5 l'évolution, c'est le même graffeur, Stay High 149, et là c'est un flop. Vous pouvez voir que la figuration est beaucoup plus développée, la pièce est plus grande et formée de plusieurs couleurs, et en plus il a rajouté des petits points pour égayer un petit peu le tout. Et suite à ça, une quantité de styles sont apparus. Alors, on ne va pas pouvoir tous les développer ce soir parce qu'ils sont vraiment très, très nombreux. Mais les graffeurs ont été tous motivés par la compétition toujours plus pressante entre les artistes, le but étant de se démarquer les uns des autres et devenir le king de la rue. Le style pour ce but-là est une recherche très, très importante. Les artistes ont travaillé la forme des lettres, la façon dont elles se connectent entre elles, les couleurs, les symboles, et ont même ajouté parfois des personnages. Et donc, ils se sont tous jetés dans une énorme course à la représentation. Il faut être le plus visible, avoir le style le plus développé, avoir le plus de pièces, représentées, disséminées un petit peu partout dans la ville. Et un ensemble de critères ont commencé à être fixés par des règles tacites érigées par les représentants eux-mêmes du milieu. Les graffeurs ont commencé à décider un petit peu de ce qu'est un bon graffiti ou pas. Les trains et les métros sont devenus également un support très très important pour le graffiti parce que ce sont des éléments mouvants. Ils permettent de transporter la réalisation et le nom de l'artiste de part et d'autre de la ligne qu'il couvre. Ça peut être l'étendue de la ville complète. Ils permettent de diffuser à la fois le nom, mais également le style de la personne qui a créé le graffiti à l'échelle de la ville de New York entièrement. Donc face à l'ardente surenchère se livrant dans la ville, un nouveau critère
de qualité, de l'appréciation de la qualité d'un graffiti a fait son apparition. C'est la surface couverte par un graffiti de la voiture ou du wagon sur lequel il est représenté. Donc, vous avez toute une typologie que vous pouvez voir également dans les liens de la vidéo. Alors, vous avez le top to bottom qui est utilisé pour parler d'un graffiti qui recouvre toute la hauteur d'un wagon. Vous avez également les end-to-end qui est utilisé pour parler d'un graffiti qui couvre toute la longueur d'une rame d'un métro ou d'un wagon, toujours. Les window down car, lorsque la pièce se situe juste au niveau, jusqu'à sous les fenêtres de la voiture. Et ensuite, vous avez le wall car, quand la voiture est entièrement recouverte, porte et fenêtres comprises. Et vous avez, alors là, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est les wall train, quand toutes les voitures d'un même convoi sont recouvertes, sont peintes. Et donc, pour plusieurs théoriciens du graffiti de ces époques-là, new-yorkaises, le wall car serait une solution face au manque de place dans le New York de la seconde partie des années 1970, puisque la ville est entièrement recouverte et saturée. Et donc, la manière d'être le plus impressionnant pour les autres, c'est de recouvrir l'entièreté d'un wagon. Après, même si deux wall trains ont été peints par Kane et par les Fabulous Five, qui est un crew, les deux ont peint leur wall train dans les années 76, le top-to-bottom wall car, donc toute la hauteur de la rame et l'entièreté de la rame, reste la prouesse ultime d'un artiste. Pour être le king de la rue, c'est ce qu'il faut arriver à faire, en déjouant les agents de la sûreté ferroviaire. Pour arriver à devenir ce king de la street, un véritable réseau d'enseignement s'est mis en place au sein duquel les artistes expérimentés, parfois même les plus reconnus de New York, apprenaient leur savoir aux novices dans une dynamique de collaboration et d'apport mutuel. De son côté, l'artiste avait plus de pièces en cours d'exécution en même temps, et de l'autre, son style se répandait en diffusant sa renommée sur tout le réseau ferré. Donc c'était un échange entre les novices et les personnes plus qualifiées. Ces collaborations se sont structurées aussi par la fondation de crew, qui sont des sortes d'équipes, ça veut dire équipe en anglais, dans lesquelles les artistes évoluent en nombre. Les membres de ces crews sont alors soudés dans des liens très forts d'amitié qui permettent une solide complicité dans la création. Les initiales qui accompagnent les pseudonymes des auteurs sur les murs sont celles du crew. Vous pouvez voir, et quand vous vous baladerez dans la rue, vous pouvez regarder quand vous avez un flop, parce que through up, comme c'est très difficile à dire pour les Français, les artistes français ont appelé ça très vite des flops. Et vous pouvez voir, le flop, c'est les initiales qui forment le pseudonyme du graffeur. Et en dessous, souvent, ou au-dessus, vous avez des petites notes autour. Et souvent, c'est des autres initiales qui sont celles du crew, puisque c'est toujours très, très actif. Et donc, les graffeurs peuvent appartenir à plusieurs crews en même temps. Il y a des alliances aussi pour se parer les unes des autres. Et cet aspect est vraiment très, très important parce qu'il révèle une facette qui est vraiment prédominante dans l'exercice du graffiti, c'est sa dimension collective. C'est vraiment très important, c'est un milieu très convivial et qui est basé sur la coopération de tous. Donc, les crews sont très, très représentatifs de ça. Donc, on va passer à la situation à Paris, en France. La première incursion officielle du graffiti en France a eu lieu durant l'année 1982, lorsque la radio Europe 1 a sponsorisé la tournée mondiale du New York City Rap Tour, durant laquelle des danseurs et rappeurs de renom ont été accompagnés par de grands artistes reconnus aux États-Unis, tels que Dondi, Phase 2 et Futura 2000 à Paris. Alors là, c'est les trois des plus grands noms du graffiti américain qui se sont tous retrouvés à Paris en 1982. Donc l'apparition du graffiti aux États-Unis a eu lieu à la fin des années 1960 jusqu'au milieu des années 1970 et en France dans les années 82. C'est assez important. C'est assez tôt au final dans la diffusion du graffiti. Au même moment, Philippe Lehmann, alias Bando,
Un jeune Parisien habitant rue du Bac se rend 2 à 3 fois par an chez son père qui vit à New York. Il y découvre le graffiti en plein développement. Il visite le studio d'Henri Chalfant, dont je vous ai parlé, le journaliste qui a couvert tout le début du graffiti à New York. Il y a rencontré les artistes qui lui ont initié à la pratique. Et il est rentré en France à la suite de ces quelques mois passés à New York. Il est rentré en France avec le savoir-faire et la culture visuelle nécessaire pour y introduire ce qu'il a appris outre-Atlantique. Donc, il a commencé à peindre en France en 1983 et il est toujours aujourd'hui considéré, selon plusieurs sources, c'est pareil, c'est un petit peu difficile à identifier, mais il est quand même considéré comme l'un des premiers, si ce n'est le premier, à peindre à Paris. Il a été influencé notamment par les légendes des années 1970, dont on a déjà parlé, notamment Bondy et Futur 2000, qu'on a reçu en 2016 à Toulouse lors de la précédente édition de Rose Béton. À partir de janvier 1984 aussi, tous les dimanches après-midi, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, la chaîne TF1 a diffusé H.I.P. H.O.P., présenté par Sidney Dutheil, un jeune danseur et musicien dont le look est très très représentatif des artistes, de celui que pouvaient arborer les artistes à cette époque-là. Et ce programme avait l'intention de faire découvrir les composantes de la culture urbaine, donc le rap, le hip-hop, la danse, tout est très connecté, et le graffiti à la France des années 1980. Il devient très vite le passage obligé de tous les pionniers américains du mouvement, notamment Futura 2000, qui a été invité très régulièrement à se produire pendant l'émission. Au début des années 80, donc les jeunes graffeurs parisiens, qui ont commencé à être de plus en plus nombreux, n'ont pas vu tout de suite le métro comme une cible à privilégier, malgré leur admiration pour leurs prédécesseurs américains et leurs créations. Paris n'étant pas New York, les premiers métros peints n'ont rien pu contre les réactivités de la Régie autonome des transports parisiens, donc la RATP. Les rames peintes ont été le plus souvent retirées du roulement pour être nettoyées avant d'avoir pu être admirées par les usagers. Les métros et les trains ont été exploités relativement tard après l'apparition du phénomène, seulement à partir des années 88-89. Et donc l'intérêt des artistes français s'est alors porté très rapidement sur les surfaces planes et fixes que représentent les murs de la capitale. Alors dans un premier temps, leur terrain de jeu a été assez restreint. Ils ont jeté leur dévolu sur une petite zone entre le pont de la Concorde et le pont du Carrousel le long de la Seine, qui a convenu parfaitement au départ au nombre réduit des artistes qui s'y sont exercés. Et vers 1984, les palissades de la rénovation de Beaubourg, des travaux, ont été investies. L'emplacement était idéal, le point de vue était central. C'est un point vraiment central au milieu de Paris, juste à côté des Halles, donc il y a vraiment une foule de population qui s'y croise tous les jours. Donc, il garantit une très, très grande visibilité et de par sa situation. À la fin du chantier, il aura fallu trouver un nouvel emplacement après avoir usé tous les précédents. En effet, les quais de Seine ont été placés sous surveillance et les murs ont été enduits de produits empêchant la peinture d'adhérer devant l'afflux des artistes grandissant et les pièces y étaient constamment effacées. Alors, coup de chance, à ce moment-là, la pyramide du Louvre était en construction. Donc, toutes les palissades étaient prêtes à recevoir sur des centaines de mètres carrés les créations des artistes en plein cœur de Paris. Parallèlement à ça, pour les palissades du Louvre, vous avez le lien numéro 12. Alors, il n'existe pas beaucoup de photos, j'en ai pas retrouvé sur Internet concernant les quais de Seine ni les palissades de Beaubourg. Par contre, vous en avez sur les palissades du Louvre, je vous laisse les découvrir. Et parallèlement à la même période, un graffeur, Sao, qui était actif dans les premières années de l'arrivée du phénomène, a décidé de défricher et de rendre exploitable un terrain vague au nord-est de Paris, à quelques pas de la station de métro Stalingrad. Sa situation en contrebas de la section aérienne de la ligne 2 fait que les murs sont visibles depuis l'intérieur, des rames qui y circulent. Donc les artistes qui avaient vraiment envie de se faire plaisir pouvaient graffer l'intérieur du square, prendre le métro et survoler et avoir un point de vue sublime sur les créations qu'ils venaient de faire. Il y en a beaucoup qui s'y sont essayés. Et ce square, le square Stalingrad, est vite devenu un haut lieu du graffiti et l'un des plus importants à l'échelle européenne. C'était vraiment un des points centraux
où tous les artistes de l'Europe même pouvaient s'y rendre et découvrir un petit peu les innovations françaises. Notamment Mode 2, en septembre 1984. Mode 2, c'est un artiste britannique. Et d'autres graffeurs de la scène londonienne, pardon, ont vu apparaître à Londres des graffitis qui ne ressemblaient pas du tout au style qui pouvait s'y faire à ce moment-là, là-bas. Et en effet, ils avaient été faits par Bandeau et un autre de ses acolytes de son crew. Et au printemps suivant, Mode 2 et Bandeau se sont rencontrés à Londres. Mode 2 a été instantanément séduit en voyant le carnet à dessin, puisque les artistes s'essayent et commencent à dessiner leur style sur des carnets qu'ils appellent Black Books. Et en découvrant la personnalité de Bandeau, ils sont très très vite devenus amis, ils ont décidé de créer ensemble. Donc Mode 2 est venu s'installer à Paris, a bien sûr visité le square Stalingrad. Il parle très très bien français d'ailleurs, vous avez pas mal d'interviews que vous pourrez retrouver sur YouTube et sur Arte aussi. Vous retrouverez en lien pour aller plus loin ou dans la bibliographie un superbe documentaire qui a été fait par Arte là-dessus, et vous retrouverez un petit peu toute cette histoire vachement plus développée, ça va être c'est très très intéressant. Et donc les deux graffeurs ont décidé ensuite de voyager, ils ont rencontré l'artiste hollandais Chou, et qui était justement de passage à ce moment-là dans la capitale française, et la réunion des trois artistes, Chou, Mode 2 et Bandeau, a donné la fondation du crew Crime Time Kings, les CTK. Et les trois étant d'une nationalité différente, ils ont pu voyager dans l'Europe entière et s'inspirer des scènes de toute l'Europe et pouvoir diffuser un peu leur style, leur propre style à eux. La réciproque a été assurée. Justement, Chou dit, je le cite, « Je n'en suis pas sûre, mais je crois qu'on a insufflé à toutes ces villes une énergie et un style qui s'ajoutaient à ce qui s'y passait déjà. » Donc, on peut vraiment voir la dimension collective et conviviale dont je vous ai parlé tout à l'heure. On voit que chacun s'influence les uns des autres. Et donc, ça donne une émulation de groupe qui est assez intéressante et qui est assez particulière à ce phénomène, au phénomène du graffiti. Les artistes français sont restés très, très longtemps admiratifs et respectueux des traditions du graffiti writing nord-américain. Ils en ont repris les codes, les styles, les formes et les couleurs, le vocable aussi, et toute une imagerie comportant de nombreuses références à la culture populaire. Mais ils ont ensuite pu développer leur propre style et leur propre technique. Et ils ont fait du graffiti parisien une référence qui a inspiré de nombreux artistes en France, dans les autres villes, notamment à Toulouse, mais aussi dans les villes européennes. Alors, on va maintenant parler de São Paulo, donc au Brésil. Il est, avant même de commencer, important de resituer un petit peu le contexte. São Paulo est la capitale économique du Brésil. C'est la quatrième agglomération urbaine mondiale. Elle compte une vingtaine de millions d'habitants, donc c'est considérable. Et donc, au Brésil se trouve un style de graffiti endémique qui s'appelle le Pixaçao. Alors, je ne saurais pas le dire, désolée pour les Portugais si certains m'entendent. Je ne saurais pas prononcer exactement le mot comme on le fait au Brésil. Donc ça, c'est un style qui a débuté dans le contexte de la dictature militaire en place de 1964 à 1985. Ce terme donc portugais désigne des inscriptions de lettres capitales peintes en noir le long des façades des bâtiments des grandes villes brésiliennes. Ce n'était pas uniquement São Paulo au départ. Le nom de cette pratique provient du noir, des inscriptions écrites à l'encre issues du goudron qui était utilisé initialement. Et donc, ce goudron se traduit par « pitcher » en portugais, ce qui donne le verbe « pitchar ». Je pense que je prononce pas trop mal. À l'origine, ces inscriptions sont alors principalement des slogans politiques contestant le gouvernement oppressif. Et à la fin de la dictature, en 1985, des inscriptions dans les rues de São Paulo s'intensifient. Les thèmes désormais sont un petit peu plus vastes, allant des traditionnelles revendications politiques, des aphorismes poétiques ou même des jeux de mots, écrits exactement à la façon de la Pixaçao de la période dictatoriale. Au départ, le style a très très peu évolué. Puis, de fil en aiguille, les inscriptions sont devenues verticales, monumentales, tracées en lettres majuscules, alignées et justifiées. Ça forme vraiment des mots écrits en longueur. Que vous pouvez voir dans le lien numéro 13,
Je vous ai mis un exemple vraiment qui montre un petit peu la verticalité et la disposition des lettres dans la manière dont la façade est faite. Et donc, comme je vous le dis, elles ont pris place le long des façades des hauts bâtiments de la mégalopole brésilienne. À la recherche d'originalité, toujours, et pour se différencier, les artistes ont également commencé à s'écarter des messages politiques pour inscrire à la place leur nom ou celui du groupe auquel ils s'associent, luttant à la fois contre la prolifération de la publicité, qui n'échappe à aucune mégalopole mondiale, mais également pour une certaine réappropriation de l'espace urbain. Donc, toute une partie de la population se sent dépossédée. La situation de New York dans les années 50 n'est malheureusement pas un cas unique. Et vous pouvez bien vous imaginer à quel point tout un type de population est écarté des écueils dynamiques et commerciaux des villes, même au Brésil et surtout au Brésil. Donc, cette pratique a peu à peu investi presque l'ensemble des supports que représentent les façades des nombreux quartiers populaires de la ville, mais pas que, même au cœur de la ville. L'acmé de l'occupation des Pixassao sur les façades semble avoir été atteinte dans la deuxième moitié des années 90. Donc, vous pouvez voir ici que le phénomène s'est vraiment développé et le graffiti s'est vraiment développé à partir des années 1985, à partir de la fin de la dictature. Donc, on est quand même quelques années après l'apparition en France et encore plus après l'apparition aux États-Unis. Donc, les premières signatures sont très simples stylistiquement. L'un des premiers à s'illustrer dans cette pratique illégale a été Juneca, dont les journaux locaux ont relaté les exploits en première page en 1988. Vous pouvez vous imaginer un petit peu la différence temporelle. Un autre artiste légendaire, Chencho, a été le premier à la fin des années 90 à occuper les sommets des bâtiments, lançant ainsi la course à toujours plus de hauteur. Parce que si le graffiti américain est à la recherche de la surface remplie sur les véhicules roulants, au Brésil, c'est la hauteur. C'est pour ça que j'aime à dire que c'est une figuration qui a pour seule limite le ciel. Au final, on s'y retrouve vraiment. Vous pouvez circuler un petit peu sur Google Images et vous rendre compte à quel point les graffeurs cherchent à toujours occuper le haut des bâtiments. C'est un petit peu un signe très important. Les pièces les plus élaborées sont en hauteur, c'est indéniable. Et ce critère est devenu alors très important pour définir la renommée d'un écrivain, d'un writer. De plus en plus d'adeptes ont rejoint les rangs de ces deux artistes légendaires et majoritairement des jeunes habitants issus des favelas. Mais pas uniquement. Très importante par le nombre, les Pixassaos, qui est le pluriel de Pixassao, constituent un cas spécifique et unique dans le domaine de l'art vandal illégal urbain que représentent les graffitis. En effet, ils sont singuliers par l'originalité de la forme de leur lettrage produit par les artistes, mais également par la puissance visuelle de leur occupation à l'échelle de la ville. Vous pouvez le voir, toutes les façades sont inscrites et ça donne vraiment une impression d'opulence et d'occupation totale. Les Pixadores, qui sont donc les artistes, les graffeurs, comme je vous l'ai dit, élaborent des procédés d'invasion de la mégalopole en lien avec les réseaux des lignes de bus. C'est vraiment un petit peu le truchement. D'un point A, ils peuvent se diffuser sur l'ensemble de la ville. Ce mode de transport est très, très emprunté et très populaire au Brésil. Il est le seul, effectivement, qui dessert l'aire urbaine de Sao Paulo dans son ensemble. Les Pixadores utilisent différents instruments pour peindre leur lettrage, le rouleau, majoritairement, ou la bombe de peinture. Le marqueur est très peu utilisé. Vous pouvez voir que leurs pièces sont très, très grandes. Et le marqueur ne permet pas d'enduire une assez grande surface à la fois. Ces outils sont issus initialement du monde industriel. Ils ne sont pas destinés de prime abord à la production artistique, mais ils présentent cependant des avantages non négligeables pour cette pratique. D'abord, ils sont maniables, peu encombrants et facilement transportables partout où il est nécessaire de les acheminer. Le choix de l'outil adéquat, dépend de l'emplacement sur lequel les Pixadores décident de se consacrer. Les murs de la rue et les sommets des façades qui sont atteignables par le toit nécessitent le rouleau, tandis que les zones au centre des façades et les parties en hauteur qui les obligeraient à escalader la façade sont peintes au spray, qui est plus maniable, et qui permet une liberté de mouvement pour faciliter l'ascension de l'édifice.
Le spray présente un avantage non plus pas négligeable, c'est qu'il n'a pas besoin d'être rechargé en cours d'utilisation, pas comme le rouleau. La hauteur des bâtiments donc, de la ville forme le support le plus convoité et de facto le plus respecté dans la hiérarchie des Pixadores. Les artistes peuvent même aller jusqu'à déposer la Pixa Sao, pencher la tête vers le vide depuis le sommet de la façade, depuis le toit de l'édifice. Ils doivent effectivement s'adapter à la situation de chacun des murs en mettant très souvent leur corps à l'épreuve dans ce dangereux exercice. C'est dangereux par plusieurs aspects. D'abord, il y a une véritable guerre entre différents groupes et entre bandes différentes pour s'octroyer les murs d'un quartier. Et ensuite, ça peut aussi s'avérer très, très dangereux de grimper sans protection aucune les façades des bâtiments. Et même peindre la tête en bas, puisque c'est très, très courant, c'est quand même quelque chose. Ces données, donc la mise en exercice du corps, influe aussi sur la composition du lettrage, qui est étudié pour être produit en fonction des capacités de mouvement des jeunes artistes dans une situation donnée. Donc, ils investissent la ville en entrant de nuit à l'intérieur des immeubles ou bien par l'extérieur en escaladant la façade. Tout type d'édifices sont concernés, des hautes barres d'immeubles d'habitation, des bureaux aux maisons d'habitation. Le seul objectif, c'est que l'ensemble des surfaces visibles par un passant qui se baladerait dans la rue soit marqué par l'artiste. Et la structuration de la façade conditionne aussi la manière selon laquelle les mots sont tracés. Tous les éléments qui composent le mur, donc que ce soit l'alternance des fenêtres, les traverses d'un rideau métallique, l'espace, chaque détail pardon, de la façade du bâtiment permet à l'artiste de dresser une sorte de rythme et de pouvoir élaborer une grille mentale qui va séquencer l'espace de représentation à se répartir soit entre jeunes artistes d'une même bande, soit par l'artiste lui-même. Il va permettre aussi d'imaginer l'espacement entre les lettres. Et ça, c'est très important pour la cohérence globale de la pièce. Et c'est assez intéressant puisque le corps est vraiment important puisqu'on a bien vu que les Pixadores se mettent en danger, escaladent à main nue la paroi des édifices, mais ils mettent aussi en pratique, ils se servent de leur corps pour définir aussi l'écartement ou la répartition d'un espace puisqu'ils comptent l'espace en nombre de pas. Donc on voit que la mise en pratique du corps prend plusieurs dimensions. Donc, comme je vous l'ai dit, la pratique des Pixas SOS est également collective dans la structuration de la communauté et dans l'instauration d'une certaine unité stylistique. Puisque même si chacun développe son style, il y a quand même une unité visuelle qui est peinte en noir et toujours avec les mêmes inspirations de forme. Les Pixadores se retrouvent de manière hebdomadaire dans des endroits spécifiques de la ville qui sont appelés des points. Cette dénomination est l'un des rares mots en anglais dans le vocable de cette pratique. Ces points sont de véritables lieux de rencontre, d'interaction et d'échange, de convivialité où les jeunes artistes dessinent ensemble, se troquent des feuillets sur lesquels ils représentent leur style. Vous pouvez en avoir dans le lien numéro 14. Ces lieux sont très importants dans la dynamique générale de la pratique du Pixa Sao à Sao Paulo. Les lettres, donc le style un petit peu général de la pratique, ont été conçues par les artistes avec l'influence graphique de modèles d'écriture anciennes, tels que le gothique, le runique ou même l'étrusque. Ces apports sont indirects. Ils ont inspiré eux-mêmes les typographies utilisées par des groupes de metal ou de heavy metal ou de punk hardcore actifs durant les années 1980. Donc, on a je ne sais pas si vous pouvez imaginer, si vous vous souvenez ou si vous avez vraiment beaucoup écouté et aimé, des groupes comme le groupe australien AC/DC, le groupe anglais Iron Maiden ou les Américains du groupe Slayer. Ils respectent tous un petit peu cette typographie inspirée du gothique, beaucoup, ou du runique ou de l'étrusque, des modes de figuration un petit peu plus anciennes. Ces esthétiques sont utilisées et ont été relayées localement par des groupes brésiliens
comme Sepultura ou Ratos de Porão. La culture populaire, plus particulièrement le disque, a permis le transfert et l'activation d'éléments artistiques arrachés de leur contexte temporel et géographique d'origine, qui ont ensuite permis de faire muter tout un style au Brésil à la fin de la dictature. Ces pochettes de CD et leur design, censés représenter tout un univers musical, reprennent des éléments typographiques et notamment l'utilisation du style gothique comme la fracture, qui est une typographie bien spécifique du gothique, qui était utilisée notamment par les nazis. Et donc, il reste toujours une certaine connotation un petit peu dure et abrupte de cette typographie qu'on retrouve un petit peu dans le milieu de la Pixassao. Il existe également des correspondances stylistiques avec le graffiti de la scène nord-américaine, notamment à Philadelphie, à la fin des années 1960 et au début des années 70. Les tags des jeunes writers de Philadelphie, tels que Cornbread, dont on a parlé au tout début de cette conférence, ou Cool Earl, présentent la même allure anguleuse de leurs lettres, ainsi qu'une certaine composition verticale. Et on retrouve un petit peu ces bandes de lettres étalées de manière assez étroite. Cependant, les outils et les contextes de création ne sont pas du tout les mêmes. Les expressions vandales nord-américaines sont basées presque exclusivement sur l'emploi de la bombe à aérosol, alors qu'on peut voir que c'est composite, que c'est pas uniquement la bombe à aérosol pour la Pixassao. De plus, les lettres sont en capitale, mais elles sont écrites de manière cursive, elles sont en plus liées entre elles. Et elle ne présente que très peu d'espace d'écartement, qui est pourtant une des caractéristiques principales de la peinture urbaine brésilienne. Il existe aussi une autre ressemblance graphique qui est un petit peu plus marquée, qui est identifiable avec ce qu'on appelle les cholo writing. Alors, les cholo writing, c'est une sorte de graffiti de gang de Los Angeles qui utilise le graffiti pour marquer leur territoire, pour marquer les territoires dans lesquels ils se trouvent. Et donc, dans ce style, les inscriptions présentent des lettres capitales très anguleuses avec un espacement réglementaire entre chacune d'entre elles, tout comme la Pixassao. Mais on a leurs procédés aussi qui sont assez similaires. Les signes sont élaborés par étapes, en très très peu de gestes, très rapidement. C'est à la fois très délimité, mais en même temps un petit peu cursif. Les lettres sont schématiques aussi, représentées avec très très peu de segments. Pour autant, malgré cette similarité esthétique entre ces deux écoles, les contextes sont également très très différents. Ces organisations clandestines sont liées à des trafics en tout genre de biens aussi illégaux que dangereux. Le graffiti cholo s'exprime vraiment dans un contexte illégal, dangereux, qui mène à des drames depuis des décennies, et c'est toujours le cas. Et même si leurs activités sont esthétisées par le graffiti et par certains groupes de musique aussi, ça reste un contexte bien, bien défini. Il sert vraiment à marquer une guerre de gang et une guerre de territoire plus qu'une envie vraiment de faire de l'art, finalement. Donc, il semble très peu probable que dans ces deux cas, ce type d'image soit parvenu, que ce soit les graffitis nord-américains ou même le cholo writing soit parvenu dans le Brésil du milieu des années 80. Et puisqu'au même moment, tous les projecteurs étaient placés sur la scène du graffiti writing new-yorkais, qui était vraiment mondialement connu déjà et diffusé, on ne pense pas que à la fin, toute fin de la dictature militaire du Brésil, les Brésiliens aient pu avoir vraiment accès à l'information et au contenu culturel provenant de l'étranger au point de s'en inspirer pour former eux-mêmes leur style endémique. Le Pixassao se distancie esthétiquement des autres pratiques urbaines vandales qui peuvent se trouver partout dans le monde. Cette particularité brésilienne a continué son développement en conservant toujours l'une de ses principales caractéristiques, qui est le maintien de la rédaction en langue portugaise. Peu importe le mot qui est inscrit, il sera toujours en portugais. Et c'est ce qui marque aussi un petit peu, et c'est ce qui rend, même malgré les similarités avec les autres styles dont je viens de vous parler, on pourrait s'imaginer que c'est influencé, mais en fait, on se rend compte que pas du tout, puisqu'en plus, il continue à peindre vraiment en portugais selon les codes ancestraux et traditionnels de leur propre pratique, en fait.
Et donc, ce style et ce mode de figuration, plus qu'une lutte contre la dictature, qui était au départ le projet initial, ensuite, plus que l'uniformisation, qu'une lutte contre l'uniformisation et la déshumanisation inhérente à l'évolution de la quatrième ville, de la quatrième plus grande ville du monde, le combat le plus durable que ces pratiques semblent occuper, c'est l'occupation visuelle. Ce qui est une véritable revendication de populations abandonnées des politiques publiques. Et donc, ce terme d'occupation visuelle, je l'emprunte à deux chercheurs. Ça reprend le titre d'écrit de Jean-Baptiste Barra et Timothée Angasser, qui sont chercheurs à l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Et donc, vous pourrez retrouver leurs vidéos et leurs écrits en dessous de cette vidéo. C'est très, très intéressant. Et je pense qu'il serait quand même intéressant d'étudier aujourd'hui l'évolution de cette pratique à l'aune des nouvelles politiques répressives que le pays connaît depuis le début 2019. Et donc, nous touchons à la fin de cette conférence, après avoir développé les trois styles de ces trois villes. Et donc, je bascule sur le Framapad pour voir si certains d'entre vous ont eu des remarques. J'en profite pour le rafraîchir. J'espère ne pas être allée trop vite ou... Une question un peu éloignée de votre conférence peut-être. La scène toulousaine a-t-elle une place dans l'histoire du mondial du graffiti ou plus largement du street art? Alors ça, c'est une très bonne question. Effectivement, alors la scène toulousaine a une... D'abord, ça a été une des plus récentes. C'est un des lieux dans lequel le graffiti s'est développé les plus tôt avec des artistes qui ont été très, très connus. Vous avez un ouvrage d'Olivier Gall sur cette question qui s'appelle « True School ». Et alors, je pense, il me semblait aux dernières nouvelles qu'il était épuisé, mais vous pourrez le trouver dans les bibliothèques. Et il est en référence en bibliographie de cet ouvrage et il se trouve au pavillon blanc de Colomiers. Donc, si vous voulez le consulter, et il explique complètement à la fois l'importance que l'école toulousaine, que la scène toulousaine a eue à cette époque-là, mais également l'importance qu'ont certains de leurs acteurs et actrices, puisqu'ils comptaient également des femmes qui sont sous-représentées dans la description de ces pratiques, et notamment Tilt, pour ne citer que lui, il y en a énormément, mais vous avez Tilt, Mademoiselle Cat, des artistes qui sont aujourd'hui toujours bombes en main et qui continuent leur ouvrage commencé 25 ans plus tôt, donc c'est assez phénoménal et elle a une place historique indéniable, pour répondre à la question. Ensuite, je prononce très bien portugais, c'est gentil. Par ailleurs, alors, j'ai pas très bien compris la question de la personne qui remarque ma bonne prononciation portugaise. Est-ce qu'une histoire, une anecdote, un peu comme une légende concernant l'un de ces artistes est très connue de ces groupes et leurs héritiers? Alors, je ne sais pas si ça concerne New York, Paris ou le Brésil. Je ne saurais pas répondre, en fait. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûre de bien la comprendre, mais je vous ai vraiment... Après, je vous ai parlé des deux légendes que forment Taki et Cornbread. Alors, c'est des légendes qu'à moitié, puisque ces personnes ont évidemment existé et ont été des très, très grands graffeurs et... Alors, Cornbread a pris sa retraite il y a fort longtemps maintenant, mais certains de ces artistes sont décédés aujourd'hui. Face 2, qui est décédé en décembre dernier, par exemple, qui reste des légendes et qui sont connus, respectés et même beaucoup d'artistes aujourd'hui forment des hommages très, très fréquemment, puisqu'il y a tout ce système de respect envers les anciens dans le graffiti. Et il y a énormément de fresques qui sont érigées en hommage aux prédécesseurs. C'est très, très important. Ou aux graffeurs décédés, alors accidentellement, ou de par les émanations. Il y en a beaucoup qui sont tombés malades parce qu'ils graffaient sans protection. Enfin. Oui, tout langage est codifié. Non seulement tout langage est codifié, mais en plus toute pratique est codifiée. Et la pratique du graffiti l'est autant que les autres, si ce n'est plus, parce que c'est basé vraiment sur un système de respect et de pères qui parlent à leurs pères. Donc, comme chaque système, il est amplement codifié.
Et quand on n'en fait pas partie, en plus, c'est un système qui est underground et donc un petit peu secret, c'est illégal forcément, donc c'est un petit peu compliqué de rentrer dedans, mais c'est ce qui fait tout son charme. Qu'est-ce qui permet à des non-initiés de distinguer un simple gribouillage d'un mur graffiti? Rien. Rien, parce que de facto, un graffiti, c'est une inscription sur un mur. Donc, il n'y a pas de... Ce sera la même chose dans un musée. Qu'est-ce que le chef-d'œuvre? Qu'est-ce qui permet de distinguer un chef-d'œuvre d'une croûte, comme on pourrait l'appeler? Les deux sont un tableau. Ça, c'est pas foncièrement une question qu'il faudrait se poser devant un mur. Après, la question qu'on est en droit de se poser, c'est est-ce que j'aime ou j'aime pas? Est-ce que esthétiquement, ça me plaît, visuellement? Ou la qualité d'exécution? Les graffeurs, entre eux, ont quelques critères. Par exemple, savoir si le mur est propre, s'il y a des coulures, si tous les traits se rejoignent comme il faut, parce qu'il faut bien se mettre en tête les conditions aussi du graffiti. Les graffitis se font la nuit, bien souvent sans lumière, peinte d'un trait d'une main le plus rapidement possible avant de se faire prendre. Donc, il faut s'imaginer que d'avoir deux traits qui se rejoignent de manière parfaite, c'est pas chose aisée non plus. Donc, c'est ce qui permet entre les graffeurs de déterminer la qualité d'un graffiti et d'un graffeur aussi. Parce qu'ils sont pas censés, parfois ils se connaissent même pas. Donc, si un graffeur passe dans une rue et repère un graffiti qu'il trouve très bien réalisé techniquement, il se dira que l'artiste est bon, que c'est un bon en face, quoi. Après, nous, novices dans la rue, posez-vous ces questions la prochaine fois. Demandez-vous comment le style est travaillé, quelles sont les couleurs employées. Ça reste de l'art au final. Hein. C'est la même chose que devant un tableau. Et Basquiat, point d'interrogation. Basquiat, c'est une très grosse question. Basquiat, alors d'abord, lui, c'est jamais forcément considéré comme un graffeur. Donc à partir de là, je ne vois pas comment un théoricien, 10 ans après ou 30 ans après, pourrait le faire à sa place. Et bien qu'il ait graffé dans la rue et qu'il ait fait la majeure partie de son art de cette manière, Basquiat a quand même toujours cherché à se faire accepter des institutions et des galeries en tant qu'artiste contemporain. Et donc, il se distancie un petit peu en cela de la rue, puisqu'il a délaissé toute une partie. Et il est mort très jeune, donc au final, on ne saura jamais de quelle manière il aurait fini par orienter sa carrière, mais il a très vite délaissé la rue pour peindre de l'art plus officiel et admis du point de vue de l'institution, et donc on ne peut pas non plus complètement le mettre dans la même trempe que les graffeurs américains new-yorkais. À mon sens, après, vous trouverez d'autres théoriciens qui vous diront l'inverse. Le rapport du graffiti à l'institution, c'est une question qui revient tout le temps. C'est une des questions centrales de la considération du graffiti aujourd'hui, et c'est la dernière question que je prendrai. De toute façon, c'est la dernière dans le Framapad, parce qu'elle demande un petit peu de développement. Bon, je vais être brève. Tout part un petit peu de la définition que je vous ai donnée et de la distanciation qu'il existe entre le street art et le graffiti aujourd'hui du point de vue de la théorie. Après, dans les faits, ce n'est pas aussi simple que ça. Les street artistes se plaignent, je vais bien finir de lire la question pour bien tout englober. Les street artistes se plaignent souvent du manque d'institutionnalisation, alors que j'ai l'impression qu'une très large place leur est attribuée à Toulouse. On a Rose Béton, par exemple, dans le plus grand musée d'art contemporain de la région. Tout à fait, c'est le FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain. Ces pratiques institutionnelles n'érodent-elles pas le caractère sauvage du graffiti, sa nature même? D'une certaine manière, si, forcément, puisque le graffiti est de par essence vandale, illégal, et donc tout ce qui s'inscrirait dans un système de commande n'en ferait pas partie si on avait une définition ferme et comment dire, très arrêtée des choses. Après, dans la pratique, les choses peuvent être un petit peu plus mouvantes et un petit peu plus perméables entre les contextes d'apparition. La question pour moi qu'il faut toujours se poser, c'est le contexte. Qui fait quoi, comment, où? C'est un petit peu les questions. Et en ce qui concerne Rose Béton, puisque c'est l'exemple cité, le Lascaux Project au Palais de Tokyo, c'est sensiblement la même chose. Les deux ont pour commissaire d'exposition des artistes
qui ont fait leurs preuves dans la rue. Enfin, je pense que c'est incontestable. Et à partir de là, alors bien que financé par des pouvoirs publics toutes les productions inscrites dans ces projets-là sont des commandes, évidemment. Mais l'esprit de ces projets-là, et Rose Béton est assez efficace là-dessus, c'est de promouvoir un art certes institutionnel, puisque la pratique notamment de Tilt, qui est le commissaire de Rose Béton, est à la fois dans la rue et à la fois au musée. Donc c'est un artiste qui joue sur les deux tableaux, mais ses productions au musée sont très très différentes de ses productions de rue. Donc il reste un graffeur dans la rue et il devient artiste contemporain au musée. C'est là toute l'ambivalence. On est sur deux positions très très différentes et je pense que certains arrivent à bien jongler entre les deux. Selon mon point de vue, mais encore une fois, ça n'a pas valeur de vérité. Mais c'est une vraie question et c'est là toute la question entre toute l'importance de cette pratique-là qui certes prend toute son essence dans la rue vandale et illégale et qui veut dire quelque chose dans ce contexte-là, mais en le faisant à peine évoluer, il peut vouloir dire aussi beaucoup de choses de manière plus institutionnelle et autorisée, je pense. C'est là tout son sens, mais il faut savoir le faire et il faut le faire en se posant toujours ces questions de contexte, qui dit quoi, où et comment. Et c'est un petit peu là tous les problèmes, notamment, c'était un petit peu volontaire de vous parler de Banksy en préambule parce que c'est un petit peu le problème pour moi d'avoir un artiste qui peint certes des choses très engagées et qui fait des choses dans la rue toujours, je le nie absolument pas, mais qui d'un autre côté est capable de faire autant d'argent et d'être représenté par des maisons de vente les plus célèbres, Christie's, Sotheby's. Enfin, c'est une ambivalence qui n'est pas tenable pour moi, mais ce n'est qu'un avis et je ne suis pas foncièrement la seule à le penser. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a passionné autant que le graffiti me passionne depuis quelques années déjà. Et je vais rendre l'antenne, place au direct.